Noël est arrivé avant l'heure sur le rocher. Charlène de Monaco et le prince Albert II ont surpris les monégasques dimanche 4 décembre. En effet, le couple princier s'est rendu au village de Noël installé sur le rocher afin de l'inaugurer. Et ils n'étaient pas seuls. Non, le prince Jacques et la princesse Gabriella étaient également de la partie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux petites têtes blondes étaient émerveillées par les lieux. Pas intimidées pour un sou par ce bain de foule, les jumeaux ont profité de cette journée féerique. Ils ont ainsi eu droit à un petit tour de manège, pour le plus grand bonheur de la princesse Gabriella qui s'est beaucoup amusée. Bien évidemment, Charlène de Monaco et le prince Albert II n'étaient jamais très loin de leurs jumeaux. Les jeunes parents n'ont pas quitté des yeux leur adorable bambin. Charlène de Monaco était particulièrement attendrie devant ses deux petites têtes blondes. Depuis qu'elle a goûté aux joies de la maternité, la princesse semble être plus épanouie que jamais. Sa mine parfois boudeuse a laissé place à un beau sourire. Il faut dire que maman est un rôle qui lui tient particulièrement à cœur. Le prince Albert II l'a d'ailleurs récemment décrite comme une maman formidable dans les colonnes du magazine People. C'est sûr, Charlène de Monaco est une maman comblée. Après cette journée en famille, le couple s'apprête désormais à fêter le deuxième anniversaire des jumeaux le 10 décembre prochain. Nul doute que la princesse leur réserve encore une belle surprise pour cette journée pas comme les autres.